très rapide au banc de Louis Robitaille. 16-32 à faire à cette première période. On vient récupérer cette rondelle. Est-ce que ça sera 2 contre 1? Oui, c'est Étienne. Étienne, finalement, qui remet par derrière. C'est pas Arroy. Ah! Et contre! Mathieu Bizier qui vient chercher cette rondelle. Un tir du côté du bouclier. Et c'est 1-0 Gatineau. Très patient, Mathieu Bizier. Avec le long de la clôture. Coxel qui travaille devant Ortiz. Ortiz qui a tout le temps. Remet le long de la clôture pour Jonca. Et voilà, c'est Pinard qui s'échappe. Pinard s'amène. Tire et compte! Et lorsqu'on disait que justement l'Armada est très agressif sur la rondelle en désavantage numérique, bien là, c'est... On tente de récupérer plutôt Denis. Denis qui a gardé la rondelle à l'intérieur. Et c'est l'Armada là, qui attaque. Passe à la cave, tire! L'arrêt! Oh, quel arrêt de la part du gardien Rémi Poirier avec la jambière droite. Là. Ça a été bien fait pour des gros ailiers qui arrivent à Ortiz. Ortiz s'avance au centre de la patinoire. Ortiz qui simplement projette le disque profondément chez les Olympiques. C'est intercepté. Richardson tente de récupérer. C'est fake out! Oh, quel tir là de Richardson qui est venu battre Rémi Poirier du côté de la mitaine. Semblait pas prêt, là, Rémi, sur le dernier tir. Oui, mais c'était le festival. C'est dans les patins. Ça reviendra tout près de la ligne bleue et c'est sorti de territoire, là. Tourigny qui s'amène avec La Ferrière et Gendron. On passe à La Ferrière. C'est un tir! Quel arrêt de la part du gardien Rémi Poirier là, qui vient se reprendre. Et un déplacement incroyable du côté droit vers la gauche. Tu pourras en commenter. Et ça sera sorti de territoire tenté. Ça n'a pas fonctionné par l'Armada. Ça revient sur Véro. Passe transversale, c'est bien fait. À la ligne bleue pour Jackson. Tire! Et count! Gabriel Jackson! Un tir parti supérieur. Et c'est 2-2. Pas le tir le plus puissant de Gabriel Jackson. C'est Coxett sur la patinoire. Mise en jeu gagnée pour lui. Tire d'Avlena. Et count! Avlena qui vient marquer sur un tir. Est-ce que ça a dévié devant le gardien là, qui a semblé voir la rondelle passer? On peut tirer. Passe plutôt à Desgros-Ailiers à la ligne bleue. De son tour, encore une fois, c'est une passe à Ortiz. Ortiz bien surveillé de la part de Véro. C'est finalement Bouchard dans la cave et compte! Oh, la rondelle là, qui est revenue rapidement des mains de Edmund et on vient créer l'égalité pour l'Armada avec 8,58 à jouer. C'est vraiment la force de l'Armada de Blainville. Il va chercher cette rondelle. Rollins, avec sa longue portée, réussit à garder la rondelle sur son bâton, mais a tenté une passe là, et ça sera finalement récupéré par Pinard. Pinard passe à l'enclave, tire et compte! C'est la voix qui vient marquer un but très rapide pour l'Armada. C'est une sortie à deux. Travail. Roy qui remet à Béliveau. Béliveau qui a poussé à Roy. Ça revient derrière le but. C'est finalement tir de Luno. Et compte! Quel tir de Tristan Luno qui reçoit cette rondelle au haut des cercles. Et lui tire sur réception. Il revient sur Kachnikov. Kachnikov au cercle de mise en jeu. Remet profondément. C'est maintenant Bizier qui vient chercher la rondelle dans le coin. Bizier cherche à qui remet Bizier dans l'enclave. Tire de Rollins. Et count! Métis Rollins! Quel travail des Olympiques en échec avant. Et finalement, ça profite à Métis. Kachnikov utilise la clôture. Avait deux options là. C'était Roy ou Prokopenko. Et c'est finalement intercepté par La Ferrière. Compte! Oh, celui-là. Rémi Poirier aimerait le revoir. Oui, Rémi Poirier qui s'en veut sur la séquence. Un tir qui semblait anodin. Et ça sera descente. Ortiz et La Ferrière, là. 2-1. Ortiz avec rondelle veut remettre de l'autre côté à La Ferrière. Beau geste de Béliveau. Béliveau qui vient intercepter cette rondelle. Par contre, la paire à Ortiz. Tire et compte! Oh, c'est Ortiz qui vient battre Rémi Poirier du côté de du bouclier. On avait d'abord fait un bon... À continuer et à terminer sa mise en échec. Oui, et Luke Edmund qui retourne péniblement au banc des siens. Oh, ça a fait mal, là. C'est Savoie coupe dans l'enclave, remet à Prokopenko. Tire! Et goal! Prokopenko! Crée l'égalité! Et c'est 6-6! Et tout ça, honnêtement, est parti du bon travail en zone des... La Ferrière, il faut faire attention, là, qui traîne derrière, c'est Ortiz. Ortiz à La Ferrière, tire. Edmund, oh, beau placement de bâton là, de la part de Coxel. Encore une fois, c'est couché sur le dos et c'est Poirier qui vient voler La Ferrière devant le filet. Contre-attaque chez les Olympiques. Rondelle qui s'amène dans le coin. Landry qui patine bien. Landry vient récupérer cette rondelle. Travaille devant deux joueurs de l'Armada. Récupère, passe à Roland, tire. Et go!
Chris Roller vient marquer en prolongation. C'est terminé. Victoire des Olympiques. Luc, qui d'autre que Métis Rollins pour mettre fin...